Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knorfang pour un nouvel épisode de Raft. Enfin, nouvel épisode, nouveau chapitre en fait, premier chapitre d'ailleurs, hein, pas que nouveau chapitre. Et du coup, ce sera en compagnie de Shinai. Oh putain, c'est tout en 2 FPS. Hein. Au secours! Salut Shinai. Bonjour YouTube! Très bien. Ok, t'as laissé passer un bout de plastique là? C'est bon, t'es stressé? Stressé, il y a un plastique qui s'est barré. Stressé. Ah, donc lui il a essayé le jeu en mode pauvre et puis bon bah là il se retrouve sur une Rolls Royce donc c'est un peu compliqué. Hein, avec un navire qui possède deux ancres, hein, juste pour l'état d'emmerdement maximal. Tu peux voir. Trop bien. Hein. Parce que du coup il découvre, ouais. Hein, lui il a pas. C'est la découverte. Hein. Voilà. Disons que je l'ai acheté hier. Très bien. Et que tu l'as essayé aujourd'hui. C'est vrai que t'as oublié de préciser, je crois. Tu l'as acheté hier, mais tu l'as même pas essayé hier, tu l'as essayé aujourd'hui. Bon, une petite visite guidée. Ouais, on va se faire chapitre 1, je pense. On va voir combien de temps on met sur cet épisode-là, mais voilà. Il y a une petite salle de rangement par ici, hein. Donc, justement, tes plastiques, tes conneries, tes machins, c'est par là que ça se range. Ça. Par là où je suis. Regarde, tu devrais voir mon nom quelque part. Ouais. Voilà. Donc, tu peux déjà considérer que tout ce qui est plastique, feuilles, cordes, tu peux balancer par terre. Il n'y a plus besoin de ranger. Tu peux tout foutre par terre. On est plein. Ok. Ça, on gagne un temps fou. Voilà. Les scraps aussi ou pas? Les quoi? Le plastique. Oui, plastique, ouais. Plastique, palme et cordes. Ouais, balance par terre. Ça dépop. T'es caté. Merde, les pierres, non, peut-être pas. Ok, t'inquiète pas, c'est pas le drame non plus. La patate. La voilà. Fin de patate. Ensuite, monsieur, la cuisine. La cuisine. Patate. Voilà. Oui. La cuisine, voilà, la cuisine, tu peux trouver à bouffer, il doit y avoir quelques patates, les patates c'est par là. J'ai dû ranger quelques patates. Oh, t'as même des poulets. Oui, c'est pour toi le poulet. C'est pour toi le poulet, mon poulet. Tiens, la patate, oh, ça se range d'ici, hein, si tu veux. Il y a quelques patates par là. Moi j'ai les patates. Il y a quelques patates par là. Mais bon, bref, il y a quelques patates. Et t'as les recettes au mur derrière toi. Pour ça, pour l'instant, pour celles qu'on possède. Oh. Mais normalement, il n'y a pas de. Il y a aussi niveau ici, tu les as également là. Au niveau de la cuisine. Ok. Ok. Formidable. T'as les bols juste à côté. Ensuite, on continue. Au bout, tu as la forge. La fonderie. Le bonheur absolu. Où, mon nain? Ah voilà. Le nain, il monte la forge. La forge. Voilà. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Outils. Une rame. Yes. En face, tu as ma piole. Ok. Et donc juste à côté, il y a la tienne. Hop là. Vu que la mienne n'est pas intéressante, c'est que c'est la tienne qui est intéressante. Porte. Voilà. Tout ce qu'il faut ici. Il y a un requin. Il y a un quelqu'un. Je lui ai pas donné de nom. Je te laisserai lui donner un nom. Moi, j'avais envie de l'appeler Raptor. Bon, ouais. Voilà, et puis bah ton lit, hein, ma grosse, hein, avec ton chat qui fait coucou, regarde. T'as un chat du bonheur, regarde, t'as un chat du bonheur. Oh, voilà, incroyable. Et tu as un coffre ici, pour mettre tes objets, et que normalement j'ai surbourré d'items. Ah. Voilà. En effet. Voilà, alors, ensuite, avant... Ah oui, alors après, il faut qu'on continue un petit peu en avance. On avance un peu. Ah, excusez-moi, ça ramasse à l'infini, hein, je suis navré. J'ai voulu le mettre sur un autre PC, ça n'a pas supporté, c'était un scandale. Donc le livre des recettes, d'ailleurs, je me perçois que j'ai pas encore rangé les lieux ici. Hein. Bon, c'était pas tout à fait prêt, voilà. Et donc la navigation va se faire ici, monsieur. Voyez-vous. Voyez-vous. Oh. Avec ça, c'est avec ça qu'on va trouver des îles. Et là d'ailleurs, il y en a une devant nous, nous dit-on. Voilà. Ouais, allons-y à la nage. Alors non, mais il va falloir qu'on utilise une voile. Pour y aller. Voile qui, bien entendu, se trouve au dernier étage. Qui n'est pas tout à fait le dernier étage. Quoi ? Il y a encore au-dessus ? D'une certaine manière, oui. Donc, on a des bacs pour faire pousser tout et n'importe quoi. J'ai pas encore fait des caisses absolues. Mais non, il fallait que je le plombe avec une flèche, espèce d'enfoiré. J'ai perdu un poulet à cause de toi. Salaud. Donc voilà, l'étage du dessus. Hop. Voilà. Ah, t'es au dernier étage. Si tu me suis, t'es au dernier. Il est passé. Voilà. Si tu me suis pas, t'es pas au dernier. Ah si. D'ailleurs, bon, j'ai pas fini, qu'en cours de travaux.
Voilà, il n'y a rien à voir ici. Non, ce qu'il y a à voir là, c'est par contre concrètement, c'est la voile. La voilure avec son petit drapal qui t'indique le vent. Voilà. Rassure-moi, c'est pas ça qui nous propulse quand même. Si, c'est cette petite voile qui nous propulsera. Mais là, en fait, ce qui nous propulse, c'est le mouvement de l'eau. Voilà. Je ne peux pas préciser pour toi, mais t'as ici, t'as 4 récupérateurs d'eau. Hein, si jamais il y a besoin. Mm-hmm. Voilà. Alors, ok. De toute façon, je vais me paumer 3 ou 4 fois. Donc, Ouais, ouais. C'est ça, exactement. Donc, il n'y a pas trop de soucis, je pense. Voilà, donc il est là, récupérateur d'eau. Aussi, là. Yes. Je vais faire un jet de survie. Merde, j'ai pas de dé. Dommage. Dommage, dommage. Donc, bah, écoute, quoi, je vous propose. Ok. D'où ça récupère l'eau? D'où ça Pourquoi ça récupère l'eau comme ça? Mais ça récupère... De façon passive là? Non, c'est moi qui ai mis de l'eau. En fait, quand tu prends là, une bouteille, par exemple, vide, là, je vais vider l'eau de ce truc, tu peux te mettre voilà, juste par-dessus bord et tac, récupérer de l'eau en appuyant sur E. Hop, tu spam E et puis. Et on est bien. D'accord, voilà. Mais il va falloir que je récupère quelques petits items avant de partir. Oui, bien sûr. Avant de partir à l'aventure, tu as des tas de choses à récupérer. Blablabla. Ouais. Dis-moi, aventure en 2 FPS certifié, hein, vraiment. Putain, ça me fait chier, faudrait que je trouve le fichier de sauvegarde. Si vous savez où on peut trouver le fichier des sauvegardes de Raft, dites-le moi et je transfère la sauvegarde sur le vrai PC, ça ramera plus. Voilà, bah, ça c'est mon cadeau, c'est mon cadeau là. Enfin, fallait se demander, je pense savoir moi. Mais espèce de con, bah fallait me le dire avant. Le mec il m'a vu galérer, hein. Le gars, ça fait 2 heures que je galère à essayer de retrouver mon fichier, essayer de faire démarrer le truc. Bah, c'est maintenant qu'il vient de percuter dans son nom. Au secours. Et bah dans ces cas-là, ouais. Hey, tu sais quoi? On met fin à cet épisode et on va trouver mon fichier de sauvegarde. Voilà. Ok. Voilà. On est bien. Et bah voilà. Ça surrame à l'infini, c'est horrible. C'est horrible. Bah des bisous YouTube. Hein. À la prochaine pour le chapitre 1. Ciao. Attends. Sors l'arc. Il y a un poulet. Ah, on va se faire un poulet. Attends, je balance un caillou. Mais non. Ok. Qu'est-ce qu'il fait un caillou sur. En plus, ah, quoi que si, vas-y, tu sais quoi? Balance-lui un caillou pour voir si ça le tue. Ok. Mais je te préviens, leur hitbox elle est claquée. Hein. Yes, super. Ah bon, Shinai. J'ai la force d'un coléoptère. Super. La hitbox claquée des pigeons. Hein. C'est bon, il est mort. Et comme d'habitude, je vais pouvoir m'asseoir sur. Je vais pouvoir m'asseoir sur mes flèches. Parce que moi, ce poulet il se retourne comme un gros con. Et du coup ma flèche elle disparaît à travers le plancher. Super. Voilà. Ah, je pouvais la récup. Tu pouvais la récup. Oui, je pouvais la récupérer. Par contre on est en train de. Ah on arrive sur l'île. D'accord. Bah, ce sera bien de commencer l'île. C'est sur l'île pas l'île qui nous intéresse. L'île qui nous intéresse est à 1172 mètres. Ouais, un petit kilomètre quoi. D'ailleurs, je vais l'éteindre pour l'instant, parce qu'on économise de la batterie. Ça sera aménagé comme lieu, hein. Je ferai ça bien un jour, peut-être. Tout le monde à la mer. Voilà. Non, je peux pas. Du coup. Ah, t'as pris juste une cuisse de poulet, toi, t'es un mec comme ça. Vas-y, je prends le reste. Osef. Ouais. Tac. Ça, tu mourras de faim. Oh, il y a plein de tonneaux. Oh. Ah, non, mais là, il y a la max de ressources, donc tu peux faire de la collecte, hein, vas-y. Pour aller ranger 3-4 trucs. Nous, on va planter l'ancre, on va se faire une île tranquillement. On va modifier, on va trouver ce fichier de sauvegarde, on va aller sur un meilleur PC et on vous retrouve dans l'épisode tout de suite après, parce que je pense que je vais coller celui-là juste avant le suivant. Voilà, des bisous YouTube, à la prochaine. Ouais. Ciao.